Oh, pardon, excuse-moi, vie, et toi là. Oui, en route. La tortue. Ah, les vacances, c'est fini. Hein. Je sais qu'il y en a qui dorment, mais vraiment, chacun gère sa part de vie. Chacun gère sa vie. Et au cours, venez faire sélection au Cameroun, c'est un aéroport. Oui, il faut qu'on vous dise ça, on vous le rappelle. Hop. Et tadam. C'est un aéroport propre. T'as vu ça? Il est presque 21h ici. Non, 20h. Qu'est-ce que je raconte? Regardez comment l'aéroport est propre. Bon, il ne faut pas que je me trompe pas. T'as vu comment c'est propre? Comme si ça n'avait pas été utilisé de la journée. Vous êtes là, vous dites, oh, venez faire ça ici, on voit. Cool. Venez faire ça ici, on voit. Vous voyez le jeune homme là? Hein? Peut-être que ce n'est pas de copilote là-bas. Vous êtes là, quoi? Venez faire ça ici. Quoi? Venez faire ça ici. Vous aussi, vous allez dans l'aéroport. Maman Sarah, je crois que j'ai deux barrières. Ou c'est celle qu'elle vient de traverser. Parce que nous, on a même enlevé les chaussures. Hein? Aïe. C'est ici comme ça que se positionnent souvent les gens à Yaoundé. Pour voir, regarder le train qui part, l'avion qui part. Les quatre qui sont là, vous ne dormez pas. Hein? L'histoire sans parole, regardez les aéroports des uns et des autres. Vous dites que vous aussi. Vous aussi, vous avez un aéroport. Regardez comment c'est propre. Et moi, je ne vois pas souvent grand monde nettoyé. Tout droit veut dire que quoi? Je peux faire comme ça, je me suis trompé de chemin. Ah, purée! Zut de crotte! Crotte de bique! Aïe, aïe! Et dit que les quatre pèlerins qui sont là, vous ne dormez pas. Les quatre qui sont là. Go, venez faire ça ici. Viens au Cameroun, on va faire quoi, mon gars? Comme l'escalator là. Beaucoup de caméras ne connaissent pas. Alors, j'arrive à l'aéroport si ce n'est pas pour demain. Hein. Donc, croyez-moi, vraiment, je suis trop bien ici en bas. Et au-delà. Regardez les voiturettes. Si on vous donne les dos pour acheter ça, vous allez choisir les dos. Vous allez choisir. Regardez. Donc, si je suis fatigué là maintenant. Regardez un aéroport, ça c'est un aéroport. Vous pensez que je me bats pour venir vivre au Cameroun? La bêtise, bêtise incarnée. C'est un aéroport, les gars. Et donc, il y a ici, va ça. Bafoulard ou Banjé ou. Hein? Bon, comme je fabrique le parfum chez moi, la capitale du parfum c'est chez moi. Ne gère pas les bêtises comme celle-ci. Voilà. Regardez comment c'est beau. Quand on vient faire ça ici, on paye, on voit. Bon, par contre, je dois trouver mon petit canon. Il faut que je n'aille. Il faut que je n'aille dans l'avion, moi, ça. Je ne peux pas rater mon canon. Ça, c'est ça qui est ça. Vous voyez, 10 heures de vol, là. Ça me fait, je vais lire l'heure. Je vais lire l'heure. 10 heures de vol. Bon, un petit canon, hein, juste un petit. Bon, bon, la musique, j'ai oublié. Oh, maman, la musique, oh. La musique va me gâter mon direct. Aïe, bon, je vais devoir couper, les gars. Éventuellement... Je vais revenir faire le Japon dans 30 secondes. Prends d'abord. Je ne peux pas louper mon canon. 10 heures dans l'avion. Et je suis mal assise. Hein. Les gars vendaient leur place. Ils disent que achète une place à $150 que je n'ai pas encore le billet. Hein? Ma mère arrive. C'est ça qui est ça. Bon, je coupe là. Hein. Parce que les gens, si elles mettent la musique dans leur boutique. Mani Mazou. Ma Kemazou. Ma